vivre comme un bon chrétien. Être vrai enfant de Dieu, vivre comme un enfant de Dieu. Pas vivre comme des païens. Être modèle. Quand on dit nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes modèles. Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes les gens qui éclairent. Là où il y a le ténèbre, nous donnons la vie. Nous sommes les gens, quand on nous voit comme ça, nous sommes les représentants de la sainteté. Nous sommes les représentants de la joie de l'Éternel. Nous sommes les enfants de la maison appelés à mettre l'ordre là où il y a les désordres. Nous sommes les représentants du ciel. Si quelqu'un n'a jamais vu Dieu, il verra Dieu à travers tes œuvres. Si quelqu'un n'a jamais vu Dieu, il verra Dieu à travers ta joie. L'incarnation de Dieu, c'est les enfants de Dieu. Premier signe qui caractère et qui montre que nous sommes vraiment de Dieu. Aimez-vous les uns les autres. Il dit, aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Et puis on a dit, aimez-vous les uns les autres. Dans les uns les autres, on n'a pas cité le nom. Il n'y a pas de catégorie des gens que nous devons aimer et des gens qu'on ne peut pas aimer. Il dit, aimez-vous les uns les autres. Les uns. Il y a des gens que vous connaîtrez pas. Les noms, mais il y a des gens que vous ne connaissez pas. À travers cette parole, les uns les autres, c'est-à-dire l'amour est contagieux. L'amour, ça se communique. L'amour, ça se partage. Aimez-vous les uns les autres. Frère, l'église doit marcher dans l'amour. Il y a beaucoup de chrétiens ce matin. Si tu parles la langue, tu es terrible spirituellement. Je suis venu te dire, cela ne t'amènera pas au ciel. Cela ne plaidera pas notre Dieu. Ce qui plaît à Jésus, c'est vivre l'ordre suprême. Cet ordre suprême dit que aimez-vous les uns les autres, frères. L'église que Jésus attend, ce n'est pas cette église que nous voyons aujourd'hui. L'église que Jésus aime, ce n'est pas l'église des dons spirituels. Les dons vont rester sur cette terre. C'est l'amour envers ton prochain qui va t'amener les châteaux avec Jésus. C'est l'amour du prochain qui va te faire ouvrir l'entrée du ciel. J'aimerais bien, bien aimer dans le Seigneur te dire, je préfère perdre tout dans ce monde, mais que j'entre dans le royaume de Dieu, que j'aille chanter avec mon papa, que j'aille vivre avec le Seigneur. Ce qui me porte très important. Bien aimé, tu me suis à la maison, tu te dis que tu vas à l'église, tu me dis que tu es enfant de Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as comme identité. Mais il y a quelque chose qui est très important. Il dit, aimez-vous les uns les autres. Frère, nous devons vivre comme des bons chrétiens. L'amour doit être au milieu de nous. L'amour doit prendre la place. L'amour doit régner au milieu de nous. La haine, ce n'est pas de Dieu. Exactement à ce moment que l'esprit intercède pour toi auprès de Dieu par des soupirs inexprimables.